Ok c'est Venzi, le Frenchy c'est face à Bruce Lee. J'écris mes textes, rien de complexe, je me verrai bien passer sur Canal Plus en duplex. Avec mon poteau, ces poteaux qui mettent Nevers à l'envers. Le rap français rend l'américain vénère, il est clair et net. Que je garde les pieds sur terre, ça c'est mon caractère sur internet. Minimum, le volume au maximum. C'est la deuxième rondelle issue de mon royaume musical. Toujours aussi correct dans mon langage, je suis pas un animal. Fabrication artisanale, justesse grammaticale. Certains MC auraient besoin d'une muselière quand j'entends Nixta. La colère me susurre de remasteriser ta tenue vestimentaire, mon frère. Le Frenchy a franchi les frontières en un éclair, en s'installant au top niveau de l'autre côté de la mer. Je t'offre un ticket d'enfer, à toi d'en faire de l'or avec. C'est pas en claquant des doigts qu'on devient millionnaire. J'aime mon hexagone et prône ses richesses. Bouteille de vin, gros camembert, du bon pain, art culinaire qui se propage de manière séculaire. La sécudière connaît le revers, à coup de scie circulaire, on brasse de l'air. À croire que le petit Frenchy se paie dans son pays et kiffe sa vie de misérable au moment de passer à table. L'euro, quelle erreur! Au magasin, tu vois les prix, tu pleures pour se nourrir. L'État pourrait nous faire une fleur. Donc, mon programme, c'est d'augmenter votre pouvoir d'achat. Tous les jours, je vous entends dire. Oui, c'est la crise, le pouvoir d'achat, c'est la faute à l'euro. Je ne vous demande pas de m'expliquer pourquoi vous dites ça, vous n'en savez rien. C'est simplement ce que vous avez entendu au journal du 20h en mangeant votre boîte de ravioli à la tomate. C'est le pouvoir d'acheter vos votes en vous faisant croire que votre vie va changer, alors qu'elle restera identique à celle que vous vivez actuellement. On passe de l'appart à une maison quand il y a des ronds, pas le temps de tourner en rond, on doit exceller dans notre profession. Des complications financières, on revoit la maison à perte pour se voir reloger à nouveau en appart avec du piment dans la sauce. On se voit contraint de supporter l'humeur de tous les cassos. On endosse le stress à tous les coups, le bas blesse et tous les coups sont permis. Nos pères ne s'en sont jamais vraiment remis, c'est notre tour maintenant. On a du potentiel avec ce qu'on a appris. Fouguer en vie à l'appui, fonder une famille unie. Mais d'abord trouver la perle rare, histoire de sentir un peu moins démuni. Tactique démoniaque, chacun son style. Le mien consiste à rester cool, cool. La meilleure défense c'est l'attaque. Le gars plaisant, c'est le mec rigolo. Restant à l'écoute, en rassurant sa compagne dans ses moments de doute. Le petit Frenchy a du charme, ses paroles font un tel vacarme qu'elles retentissent jusqu'au pays de l'oncle Sam. Ses bourgeois et ses bourgeoises manipulés, Rocancourt leur a fait une ardoise avant de se faire choper. C'est ça le rêve américain, qui croit être plus malin que d'autres peut se retrouver à rejeter la faute à autrui, à outrance. Chacun recherche sa cadence, on tente sa chance hors de la France et on y repense. Le petit Frenchy que je suis avance à contresens, avec insolence, mais sans arrogance. C'est comme ça qu'il vit. Si on arrive à augmenter votre pouvoir d'achat de 1%, bah le smicard il pourra s'acheter quoi? 2 paquets de clopes ou 2 bouteilles de rouge en plus par mois? Bon, 50 euros en plus par mois, c'est quoi? On va mettre du gruyère en plus sur les raviolis à la tomate? Ça change une vie, ça, hein? Bah heureusement que la classe moyenne et les riches sont là pour payer pour eux, et après on leur dit qu'on leur fait des cadeaux. Vous êtes stupides, mais quand même pas à ce point-là. Le pouvoir d'achat est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. C'est comme ça qu'il vit. Bref, les pauvres resteront pauvres et les riches resteront riches. Le petit Frenchy. Une fois à la retraite, vous pourrez claquer, ça rendra service à tout le monde.